de haut représentant, chacun des membres du parti tirera les conclusions, sinon le bureau politique les tirera. Bon, je ne rentre pas dans les débats personnels, ça ne vaut pas la peine, puisque ça ne change pas du tout ce que nous sommes en train de faire. La deuxième chose, ce sont les accords signés. Nous ne sommes pas les seuls à avoir signé un accord avec le RPG. L'UFDG a signé aussi les accords avec le RPG, ils n'ont pas été respectés. Les accords avec le FR non plus n'ont pas été respectés. Donc effectivement, il n'existe plus d'accord en réalité. Donc nous sommes dans une situation où les accords signés avec le RPG, tant de notre côté que du côté de l'UFDG, n'ont plus aucune conséquence. Le seul fait qui reste, qui demeure, c'est que nous avons eu un accord particulier entre le RPG et nous sur la commune de Matam et de Matoto. Nous avons les accords à Matam ont été respectés, ceux de Matoto seront respectés. Ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant, vraiment, revenons au problème sérieux.